Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Let's Play de Final Fantasy XII, The Zodiac Age. Alors, charge la partie. Donc, dans la dernière vidéo, je savais pas si j'allais essayer de réaliser des quêtes ou si j'allais continuer l'histoire. Donc bon, bah, j'ai décidé de continuer l'histoire, ça sera plus simple. Juste ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que hors vidéo, je suis passé par Giza et j'ai pu valider celle-ci. Voilà. Donc elle m'a rien donné de déceptionnel, elle m'a donné un objet et un peu de sous. Donc bon, voilà, que vous le sachiez. Les 4, c'est bon, je suis à jour. Donc là, pour continuer le jeu, faut aller en Albina. C'est ce qu'on nous a dit. Je pense que la vitesse, elle doit être x8, non x4, enfin ouais, x4. Donc, on va voir si... Ouais, non, il n'y a rien d'exceptionnel. Ouais. Ah oui, c'est vrai que j'ai un truc à voir là. Il se décontra. Il est où lui? Ouf, tout en haut. Bon. Allez, on va y aller. Suivant où se trouve sa quête, on va la faire aussi. Au moins, ça débarrassera. Alors, on va voir si y a un nouveau truc. Bon, y'a rien. Et toi? Y'a rien, super. Et toi? Toi, normalement, j'ai tout acheté, mais bon. Bon, on dirait qu'il n'en a pas eu de nouveau. On va aller quand même jusqu'en bas, au cas où j'en aurais oublié. Voilà, y'a rien. Allez, on continue. Ah, mais ils vendent que de la merde, voilà, ça. Allez, on va valider. Quoi? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Faut me faire escorter? C'est débile. Alors... Soldat impérial, ouvrier, ça doit être toi. Ça veut faire un... T'es, c'est sa précieuse Charlotte, elle veut que je l'élimine. Ah bon, forêt de Salika, je sais même pas où c'est. Ça doit être pute. Plus tard, alors. Alors, comment on sort là? On sort. Vendre la cité. Allez, on sort. Voilà, donc si tout va bien, on va découvrir une nouvelle zone. Le col du Mosphore. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. J'ai absolument aucun souvenir de cet endroit. Mais vraiment aucun. Allez. Un coffre, non. Bon. On va tuer les gros pour le bestiaire.
Quoi qu'il arrive, faut tuer tout le monde, hein. Hop. Par là. Des sous. Allez, on va essayer de passer par là. Le col du Mosphore. Ça, savoir s'il y a des objets intéressants à prendre. C'est quoi ça? Éventaire de feu. Ah, Maltier a pris son niveau. 4 toxines. Ah. Pff, super. 14 gils. Alors, il y a une flèche bleue qui descend. On va quand même aller voir où ça nous mène. Là, il y a quoi? Il y a des ennemis. Voilà. Voilà. Juste par curiosité, on va voir où ça nous mène. Parce que j'ai l'impression de repartir en arrière. Alors, à part ramener au désert. Oh putain, désert? Ah bah c'est là où j'avais pas fini d'explorer. Bon bah ça va. Au moins comme ça, on s'en débarrasse. Donc ça c'est la rive nord. Hein. Si vous avez suivi le let's play. La rive nord par rapport au village qui se trouve dans le désert. Oh, un diamant, c'est bien ça. Bon, allez. On a vu ce qu'on avait à voir. Hein. On a récupéré un homme de diamant. On va voir. Je suis sûr que Balchi peut le mettre. Ouf. Ah, cool. Ça me stresse qu'il ait rien. Armure miroir, je l'aurais bien mis, mais je peux plus le soigner après. Voilà. Ah, c'est les pièges à con, ça, armure miroir. À moins de jouer contre un boss qui vous fait que de la magie, mais sinon. Une paire de bracelets berserk. Ouais, berserk. Ils sont bien gentils, mais. Juste, je les défonce parce que. Je me rappelle pas les avoir vus. Voilà, ça débarrasse. Pour le bestiaire. Allez, on repart dans le col du Mosphore. Donc tout ça c'est bon. On va passer par par là. Alors. Bon, première chose à faire, on va faire ça. Ensuite, tu vends quelque chose, toi? Non. Hein. Alors toi, ouf. Ouf, c'est cher. Hein. Bon. Armure de diamant. Tenue noire. Ah, c'est le truc du T-Rex, c'est ça. Bon. Mitre au coton. J'aime bien acheter les trucs que j'ai pas, mais les moins chers. Voilà. Ah bien, ça par contre, indispensable. Ah c'est vrai, j'ai pas acheté d'armes pour Balchier.
Voilà. On va acheter ça. Alors, comme ça, ils arrêtent de me proposer leur truc, là. Alors, purpurine. Ah ouais, d'accord. Quoi? Allez, vas-y, prends-la. Voilà, bon. C'est un petit peu amélioré, perso. Y aller là, peut-être plus tard. Je vois qu'il y a une zone aussi grise au milieu de la carte. Allez, bon, ici, ah, il y a un truc, c'est quoi? Ok, sûrement encore un truc à faire. Ah, voilà aussi. Bon, on descend par là déjà. Plus. Ok. Ami, ami, non, ni là ni là. Non, ça va. Il y a des endroits qui doivent être accessibles comme Chocobo. Pour ça, je m'y pencherai plus quand je ferai les monstres rares. Bon, ici c'est bon, on va tracer. Pose des cartes, toi. Bon, il y avait une bombe géante au nord de Salika. Okay. Paire de gants. Ah, paire de gants de voleur. Bien ça. De piège. Ouais, on passe par là. Ok. Bon, rien d'exceptionnel, hein. On est toujours tout droit. Hop, on va passer par là. Et ben, y en a des coffres, non? Chaussures lacées, clé de balance. Oh, ben, on dirait que là, j'ai fait le tour. Ah ben, y a deux cobras qui me sont apparus. Je me débarrasse. Allez, hop. Donc ici, comme d'habitude, dans la prochaine vidéo, j'essaierai de vous montrer les monstres rares, si je les trouve. Brander Beko, je dois en avoir 99 de ça. Bon, on a fait le tour.
qu'en coffre. Aubergeo, qu'est-ce que c'est ça? Ah. Pas intéressant. Arc de pierre, moi. Bon. Je pense pas qu'ils soient meilleurs que Moraine. Ah, et la nôtre. Dessous. Putain, encore cette merde, c'est pas possible. Brender déco. Alors là-bas c'est le chemin, on va voir si j'ai raté aucun coffre. Putain, mais c'est le pays des cobras ici. Hein. J'ai jamais vu autant de cobras dans un lieu. Hein. Voilà, bon, bah, ça va, hein, tranquille, hein. Il n'y a pas de difficulté apparente, il n'y a pas de boss, il n'y a rien. Hein. Donc je suppose que tout comme moi, hein, vous avez vécu cet endroit assez sereinement. Hein. Ça doit être la forêt, ça. Le Salika. Ouais, c'est ça. Alors. Il y aura du bonheur. Tu m'excuseras, mais... Alors. On va voler un peu. Par contre, Ballerine. Voilà. Super. La route est bloquée. D'accord. Bon. Par où on va passer là? Bon. Alors, on va passer par là. Hein. Ah. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Bon, il n'y a qu'un seul chemin de toute façon. Hein. Pas se perdre. Donc en fait moi quand je joue hors, en fait que je filme pas, je vole tous les ennemis possibles. Allez, on va passer par là. Ah ok, je me demandais ce qu'elle voulait elle. Ça doit être pour Charlotte. Bon, non. Ok, peut-être qu'il faut faire des allers-retours. Alors il n'y a pas une connerie comme quoi elle aime pas les femmes, elle aime pas les hommes, ou un peu un truc comme ça. Elle attaque les voyageurs, mais se cache lorsque des monstres sont abattus à proximité. Bon, alors. Je vais partir et partir. Et tuer personne. Sortir, hein.
Parce que c'est parce que j'ai tué des monstres dans la forêt, alors peut-être qu'elle apparaît pas. Mais je vois que ça, hein, parce que... On va essayer de... Bon, si je la trouve pas... Alors, on va sortir de la forêt. Bon, c'est peut-être pas ça, hein, j'en sais rien, mais bon. Putain, ils savent plus comment m'envoyer, ces connards. Voilà. Allez, forêt de Salika. Oh, ils sont pauvres, ils n'ont rien volé. Ah. Donc logiquement, j'ai tué personne là. Ah balle, voilà, bah, c'était ça. Bon, c'était pas bien compliqué à deviner, hein, mais... de le tuer. Bon. Voilà. Casser les couilles là. Ah, mais j'ai gagné un trophée. Naturaliste. Ah, voilà pourquoi je me dégoûte cette armure là. Voilà, bon ben Charlotte battue. Débarrasse. Enfin, lui on va le tuer. Désolé. Bon. Ici c'est bon. C'est bien si de temps en temps je gagne un... un trophée, hein, ça me fait avancer un peu dans le pourcentage. Hein. La dernière fois c'était Chocobo, là c'est Charlotte. Puis j'aime bien le prénom. Alors. Oh, c'est quoi ces escaliers? Oh, c'est les mecs qui ont... qui ont fabriqué ça, ils avaient pété un câble. Allez, crevez-le. Bon, là, y'a rien. On remonte. Encore des mogs, des mogs. Je crois qu'il faudra venir leur parler après. Ok, encore des sous. Allez, hein, c'est le chemin. Ah, il y a un cristal orange, c'est bien. Troublé, bon, c'est une magie ou une technique. Tu n'aimes pas des cartes, toi? Non. On va aller par là.
Oula. Ah putain, je... Oh ouais. Ok. On va pas durer longtemps. Hein. Ah, j'aurais réussi à lui voler une pierre de feu quand même. Fait là, non? Dommage. Alors, on passe par là. Je sais pas si je suis sur le bon chemin quand même, hein. Mais bon. Il a bouffé le chocobo. Un chocobogre. Comme dans FF10. Là, je crois vraiment que je suis plus sur le bon chemin. Hein. Je suis où là? Nécropole de Nabudis. Ah, je suis pas sur le bon chemin, c'est sûr. Hein. おそらく夜行の再編の力だ。嘘だろ。たった2年でこんなになるのかよ。暁の断片が艦隊を吹き飛ばした時、凄まじいミストが溢れてた。ここでも同じ現象が起きたのだろう。浜崎が放ったミストの影響で自然が歪み、今や魔物が救う使徒だ。踏み込むのは危険すぎる。引き返すべきだ。 望みは復讐。どちらにせよ、帝都は逆方向だ。サリカジリンを東に抜けて、本海岸からツッタダイソンに出ましょう。 Bon. On va repartir, on le fera plus tard ici. Sinon la vidéo va être trop longue. Nécropole de Nabutis. Allez, hein, on va voir par là où ça mène. Donc il a dit à l'est. Hein.
Putain, mais y'en a des chemins. Bon. On va redescendre. Je pense que je suis parti un peu trop haut. Je pense que c'est à partir de là que j'ai dû me tromper parce qu'il y avait le boss et tout. Donc, allons dans l'est. Je regarde les coffres quand même. Jamais s'il y a une magie ou quoi. Allez, passons par là. Merde, c'est là-bas. Hop. Et je vais m'amuser ici hein, pour trouver les monstres rares. Alors, est-ce que je suis sur le bon chemin? Je pense que oui, il n'y a plus que celui-là, hein, d'ailleurs, de chemin. Hop. Il crevait lui aussi. Trois giles sont mis en pente quand même. Sérieux. Un plumage. Et là, il n'y a rien du tout. Bon. Et le fait d'avoir descendu un peu le curseur, ça m'a permis de découvrir un peu la carte. Juste aller là pour découvrir la carte et après on partira à droite. Il n'y a pas beaucoup de trucs intéressants dans les coffres. Hein. C'est celui-là là-bas qui m'intéresse. Le chemin. Ah, une carte. Ça va peut-être m'éviter de me rendre fou. Voilà, bon. Ah, maintenant je peux tracer. Voilà. Et que nous aurons réparé la porte, la route sera ouverte. Ah putain, ok. D'accord, j'ai compris. Il va sûrement falloir aller chercher les mocs qu'on a vus dans les cabanes là. Putain, il y en avait 4 en haut. Ah bah ça va, ils sont indiqués sur la carte, c'est encore mieux. On va commencer par par celui-là. Le bout portant. Yeah.
Oh, ils sont où là? Ils sont là. Allez. Et de deux. Il y en a encore sept autres. Putain. Bon. Qui sont juste en bas. Putain, entre les éponges et les herbes d'écho, ça en fout. Hein. Par là. Bon, on dit la même chose. Okay. Bon, ça fait un, il y en a trois là, il y en a pas deux, hein. ça fait ça au moins. Il m'en reste 4. J'espère qu'ils sont 4 en haut. On va le savoir de suite. Bon, encore ça va, c'est pas... Ah merde, j'ai cru que c'était un ennemi que je connaissais pas. Toc. Nécropole de Nabudis. Encore un endroit à visiter, ça. Alors, apparemment, ils sont deux et deux. C'est bien, ça va m'éviter. Mort de fou. Ils te disent qu'elle a encore deux, et en fait, tu tournes la tête, ils y sont les deux. Venir avec nous. Ah bah ouais. Impatient, contente, voir les morgues. Ceinture. Bon ben voilà, nous avons atteint la suite. Je sais pas où on est, mais ah, la mer, la côte de faune, de pont. Je préfère dire faune, c'est un peu plus joli. Alors, je sais pas depuis combien de temps la vidéo dure. Mais j'ai quand même jeté un petit coup d'œil à cet endroit. Alors. Bon, d'accord. Ok. Voilà, bon, on tue un peu les ennemis, on promène.
bon, je sais pas trop où aller. Alors on va aller par là-bas. Logiquement, les sauvegardes, elles sont au milieu des zones. Je vais aller là et puis je remonterai par la droite. Ça n'a pas l'air d'être des ennemis rares. Hein. Et quand je dis ennemis rares, ennemis chiens à trouver quoi. Putain, mais j'ai du boulot. Hein. Pas ici. J'explorerai mieux plus tard. Hein. Juste je visite un petit peu et... et par la même occasion je cherche le point de sauvegarde. Mais sûrement il y en aura un point de téléportation là. Plus qu'à le trouver. Alors. Ah, y'a pas de chemin là? Ah ouais, merde. Putain, j'envole des trucs. C'est bien. Une veste de sorcier. Il me semble qu'elle était à vendre. Ah, veste de sorcier encore. Tu veux pas la mettre toi, veste de sorcier? Voilà. Au moins tu augmentes et puis... Bon, donc si vous voulez des vestes de sorciers, hein, faut leur voler à eux. Hein. Je crois que je vais faire tous les niveaux avec Val maintenant, s'ils volent comme ça. Il n'y a pas un point de sauvegarde là. Ah, enfin. Ah. Il n'y a pas un boss, hein. Tiens, je vois pas d'où il sortirait le boss, hein, mais bon. C'est jamais, hein, de l'eau. なんでテートに行く？それは浜崎を封じて奪い返しにじゃない。石の力でダルマスカ最高。
そうなんだろ。気持ちはわかるが、どいつもこいつも。私が力に飢えている。浜崎に取り憑かれている。そんな風に見えますか？そういう奴を一人知ってる。浜崎に夢中になって、他には何も見えなくなって、始終わけのわからん独り言ばかりだな。エーデスだったかベーネスだったか、まあ何でもいいな。とにかくそいつは全てを浜崎のための踏み台にした。飛空艇やら兵器やらを開発したり、俺を無理やりジャッジにしたり。あなたがジャッジ？秘められた苦い過去ってやつだな。まあ、すぐ逃げたよ。ジャッジの義務からも、そいつからも。シドルファス・デム・ブナンザ、ドラクロワ研究所、ドクター・シー。浜崎に心奪われて、あいつはあいつじゃなくなった。俺の父親でもなくなった。お前はあんな風にならん。俺は逃げしまった。石に囚われたあいつを見てられなくて、逃げて自由になったと思い込んでた。なのに浜崎と知らず、黄昏の破片に手を出して、あんたに会ってここにいる。結局逃げられやしなかったんだ。だから終わらせる。過去に縛られるのはもういい。過去を断ち切れば自由。ナブラディアとダルマスカ、その同盟の象徴としての政略結婚、誰もがそう言っている。象徴ですか。王家のギムさん、役割を演じるのは疲れるな。守ります。君でよかった。あんたの心を石なんかにくれてやるね。王女様はお強いんだ。そうありたいと願うわ。Bon, voilà, ben on va s'arrêter là, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on aura bien avancé. On aura atteint cette zone, côte de faune. Ah ben, ça va, c'est... On a fait un sacré... Depuis Nalbina, on a fait un sacré pèlerinage. Voilà, ben on va, comme je vous l'ai dit, s'arrêter là. La suite arrivera très bientôt. J'en ai pour un moment, avant de trouver tous les monstres rares du coin. Surtout qu'il faut que je reparte jusqu'à Col du Mosphore là. Parce que je vais partir à partir de là. Puis la forêt, puis ici. Donc il y a du boulot. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao ciao.